Vous le croyez mort depuis des dizaines d'années. Mais depuis tout ce temps, il était dans son bunker au fin fond de la Russie. Bon, j'avoue, son bunker, ils sont beaucoup décors de Squeezie. Messieurs, dames, veuillez accueillir le grand, l'unique, Staline. Bonjour, je suis le petit père des peuples et j'ai ma cravate de travers comme le président de la République française. Aujourd'hui, je suis de retour pour terminer une guerre qui ne s'est jamais terminée. Bon, en vrai, c'est terminé, mais on fait genre... Les amis, aujourd'hui, on est... Pardon. Compatriotes, aujourd'hui, nous sommes sur Calm Down Stalin. Un jeu dans lequel nous allons revivre la guerre froide. Place ta main près du bouton pour faire peur à tes ennemis. Prends la pipe et fume pour retirer ton stress. Press space or middle button to drop an item. D'accord. Fais attention à ce que l'horloge n'atteigne pas midi, sinon tu as perdu. D'accord, ok. Donc, faut juste que je mette mon doigt au-dessus du bouton et j'ai gagné. Voilà. C'était Staline, à très vite. Bon bah ça a l'air simple de gagner une guerre là, dit comme ça, hein. Raccrocher au nez ou ne pas répondre à un appel fait baisser l'intégrité de l'état. D'accord. On fume la pipe, on met la pression. Oh putain, donc faut que je le... Ok, faut que je le mette là, faut que je le mette où? Faut que je le mette là, près de l'horloge? Près de l'oreille, ok, j'ai compris. Est-ce qu'on peut fumer la pipe en même temps? Oui. C'est une bonne nouvelle. Donc on peut se déstresser tout en étant immédiatement stressé par le mec au téléphone. Splendide. Je peux piper dans le nez? Tranquille. C'est Staline, hein, il fume la pipe comme personne. Et ça dégage. Quoi? This is the end, beautiful friend. Voilà, c'est comme ça que les États-Unis ont envoyé une bombe nucléaire sur Hiroshima sans faire exprès. On fume, on met la pression. On fume, on met la pression dans les pneus. Excellent. On répond au téléphone. On se muscle un peu le bras parce qu'on est Staline et qu'il faut pas déconner. On tape dans le téléphone parce que le mec au bout du fil nous casse les couilles. Mais non, déjà, mais le mec s'est abusé, il m'appelle plus que ma mère. Bon, c'est vrai qu'on mène une guerre, faut pas déconner. Ok, c'est bon, il a terminé, ça dégage. Putain, on est passé à peu de lâcher une bombe nucléaire à cause d'un téléphone qui tombe quand même, hein. Ah, ça gratte beaucoup. Ah, ça gratte vraiment. Ok, on fait abstraction, on est un grand chef. La lampe est déverrouillée. Quand elle se met à clignoter, ça te stresse, donc il faut que tu la frappes pour qu'elle ne clignote plus. Finalement, comme n'importe quelle lampe Ikea. Ok, c'est parti. Ça clignote. Tiens. On est bien, on est bien, on est bien. Faut gérer entre la pipe, le cou, le bouton. La pipe. Mais fume, putain, je contrôle pas quand il fume. Des fois, il veut pas fumer, il m'énerve. Des fois, pendant 5 secondes, il se dit oh, je vais arrêter la pipe, son pour la santé quand même, faut déconner. Tu fumes, ça te déstresse. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Staline Gaming. Oh putain, j'ai rejeté le téléphone, ça va être la guerre. Entre la lampe, le téléphone, le bouton, mon gars, et cette musique qui me stresse énormément. Ok, je réponds. Putain, mais accélère! Et qu'est-ce qu'il me raconte au téléphone, le gars? Ok, toujours faire attention au téléphone, c'est un très gros piège. J'ai pu à parler, j'ai le stress, ok? Moi aussi, je vais mettre à trembler comme Staline, sauf que moi, j'ai rien pour me déstresser. Hein? Tu arrêtes. Ça, c'était gratuit. Oh! Oh mon dieu, mais quel tricks! Incroyable! Merci à tous. Ok, on continue. Tu as débloqué la vodka. Bois un petit verre de vodka, ça réduira ton stress. Appuie sur la cloche pour le commander. Ça me plaît ça. Alors ça mon pote, autant dire qu'on va payer de ma mort. Bla. On la boit et on l'envoie. Faut qu'il arrête de faire des trucs stylés comme ça, Staline là, hein. Au fait, le numéro que tu m'as donné la dernière fois, Staline téléphonique ou pas? Eh ouais. Bah il faut aussi des blagues, Staline, ouais. Oh non, on n'a pas le temps de se prendre une dernière vodka. L'ennemi est fort et confiant, mais nous avons des outils pour miner cette confiance. Oh putain, il y a le téléphone, il y a tout. Donc, la pipe. Le doigt. Putain, on dirait le début d'un mauvais film porno. Et voilà, je passe encore pour un pervers. Allez, réponds au téléphone, on passe à autre chose. Oui, allô. Parle à ma pipe. Tu veux tirer à travers le téléphone ou comment ça se passe? Arrête la lampe. Oui, je suis là. Ok, c'est bon. La lampe. La vodka. La pipe, non. Je suis confond, je m'emmène les pinceaux, j'appuie à parler. Putain, mais le mec il m'appelle toutes les secondes, j'ai pas le temps de mettre mon doigt dessus du bouton. Ok, c'est bon. Attends, ça a sonné avant même que je raccroche, le gars il est dans le futur. C'est pas grave, allez, on se calme. Non. Allô, on va perdre la guerre si tu continues à m'appeler, fils de pute. Voilà ce que j'aurais dit. C'est complété. Le pistolet est déverrouillé. Quoi? Ça augmente l'intégrité de l'état quand tu arrives à l'utiliser, et si tu y arrives pas, ça la réduit. Quand j'arrive à réussir à l'utiliser. On va pas tuer des gens quand même. C'est quoi cette histoire de gun? Attends là, non mais pour qui je passe? On efface l'épreuve. On efface tout de suite l'épreuve. Attends mais on tue des gens. On tue des gens parce qu'on est stressé mon gars. Ce serait pas trop bien qu'on tue le mec qui arrête pas de nous appeler. Oh putain, je suis en train de rêver, je me fais des idées. Ah bah attends. Attends, viens carrément tuer le serveur. Wow. Pourquoi je fais ça? Voilà. Attends, mais d'où je l'ai pas là? Ah, j'ai plus de balles. C'est un sketch. Mais putain. Hop là, on tue le serveur. Nope. Ça c'est fait. Voilà comment on gagne une guerre. Je suis Staline. Ah non mais là mec, s'ils mettent le téléphone, le gun, la voquette, je vais mourir. Putain mec, j'ai trop de trucs à faire à la seconde, je dois tuer un gars. Arrêtez une lampe. Répondre au téléphone à ma putain de mère qui m'appelle en pleine guerre. C'est bon, allez ça dégage. Ah. Hop là, la serveuse elle m'a...
moustache, elle a dit j'arrête, j'arrête. Oh mon dieu, ils ont mis la totale quoi. La vodka, le téléphone, le bouton, on est mort. On fume le bouton. On fume le bouton. La lumière, ta gueule. Ouais, je suis là. Allô. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on gère? Non. Ah, j'ai eu des frissons tellement je suis deg. C'est une fausse manipulation, ça arrive. Les répercussions sont pas si graves que ça. Je prends ma pupille, je la repose, je la prends avec cette main, je mets un petit coup à la lampe, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Ça me fait moins plaisir. Ce niveau est super long. Heureusement qu'il y a des mecs à buter pour passer le temps. La vodka, situation de crise là. Là, je peux jamais l'avoir celui-là. Attention. Allô, fais vite. Mon bras se lève tout seul. Ah, j'entends plus, je passe sous un tunnel. Ok, c'est bon, ça dégage. Oh mon dieu. Oh, la pression sur le mal, il durait une éternité. Fly unlocked. Fly, depuis quand il y a des mouches dans mon bureau? Mais je fais pas une femme de ménage tous les jours pour qu'il y ait des mouches dans mon bureau. Alors on a aussi déverrouillé la peinture. Voilà, mais elle sert juste à rien. Alors je sais pas, putain la mouche ça va me saouler. Je sens que ça va me saouler, je suis pas d'humeur. Casse-toi. Oh la pute, elle se met juste à côté du bouton. Pour que je fasse une fausse manip, dégage. Putain, je te ferai exécuter sur la place publique, putain de mouche. Dégage. Putain, 12e jour. Mon dieu, est-ce qu'on va gagner cette guerre un jour? Je commence à faiblir. Oh bordel, ils ont tout mis. Ah, ça m'a fait du bien. Elle fait même pas un bruit de mouche, elle fait un bruit d'alien, tu vois. Sûr, c'est une infiltrée, elle aussi, en vrai. C'est les Américains, ils ont réussi à transformer des humains en mouches et les ont envoyés pour m'espionner. Putain, les enculés, je le savais. Dégage! D'accord, donc la mouche vient de voler le pistolet, je sais pas si vous avez vu, c'est quand même scandaleux, hein. Allô? C'est quand que tu m'appelles pour me dire qu'on a gagné la guerre? Oh la pute, tiens le téléphone dans ta gueule. Putain, mais il n'arrête jamais, c'est la 7e fois! Tu arrêtes, mes chers Géraldine, de finir par nous cramer! Oh, ouais, c'est bon. Putain, les niveaux sont de plus en plus longs. Je transpire de plus en plus, ça me gratte de plus en plus. Plus rien ne va, putain. J'arrive même plus à viser avec une arme alors que c'est ma spécialité. Ok, continue, on est chaud. Oh, ça c'est le réveil qui m'indique que ma journée est terminée, putain. Oh, bah oui, la guerre attendra demain, mon enculé, hein. C'était le petit père des peuples. Là, je deviens le petit client des bars des peuples. Allez, à très vite. Staline était en CDI 35 heures, il venait de terminer sa journée. Il alla alors se bourrer la gueule au bar du coin sans penser à la guerre. Comment tout cela va-t-il se terminer? La mouche va-t-elle s'en aller? Le FDP qui arrête pas d'appeler va-t-il crever dans d'atroces souffrances? Ikea vont-ils lui envoyer une lampe qui fonctionne correctement? Le serveur amènera-t-il plus d'un shooter à la fois? Tant de questions restent sans réponse. À très vite.